Bienvenue à Paroles d'Avant, une série où j'essaie de présenter les textes euh, bibliques qui sont proclamés lors de la célébration de la messe à tous les jours de l'Avent. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Aujourd'hui, lundi 14 décembre, lundi de la troisième semaine de l'Avent, nous continuons de... On a commencé jeudi, je crois, à lire des extraits d'évangiles, surtout de Matthieu, où Jésus nous parle de Jean-Baptiste. On voit comment Jésus considérait Jean-Baptiste. Et le premier texte, euh, qui est un texte de l'Ancien Testament, est lié d'une façon ou d'une autre à ce texte d'évangile. Je vous propose aujourd'hui, on va commencer avec le texte d'Évangile. Nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 23 à 27. Quel est le contexte de ce passage? C'est vers la fin de la vie terrestre de Jésus. Jésus vient d'entrer à Jérusalem. Il a été acclamé par les foules. C'est vraiment l'entrée messianique où on le reconnaît comme le Messie qui vient. Et euh, la première chose qu'il fait une fois dans Jérusalem, selon Matthieu, c'est d'aller au temple et là de poser ce geste euh, euh, prophétique où il renverse les tables des, des vendeurs, il chasse les animaux qui devraient être offerts en sacrifice, il proclame, euh, il cite euh, un texte, un, un des prophètes, là, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples et vous vous en avez fait une caverne de brigands un geste oui prophétique comme le geste qui va te poser après quand il va passer à côté d'un figuier qui, qui n'a pas de fruits et qu'il va maudire le figuier ce figuier représente un peu Jérusalem qui ne ne porte pas de fruits de justice et comme les prophètes il condamnait au nom de Dieu, il condamnait Jérusalem à cause de son infidélité. Ainsi, Jésus, il parle avec cette voix de, de prophétie. Et dans les prochains discours, il va annoncer même la destruction de Jérusalem. Bon, et, mais voici que après avoir posé ces deux gestes prophétiques. Et, Entrons dans le texte, Jésus était entré dans le temple pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et lui dirent, euh, demandèrent. Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? Ils sont, ils sont, comment je peux dire, scandalisés parce que Jésus est en train de faire. Et de fait, ils ont entendu parler de Jésus en Galilée, mais là, voilà Jésus qui est à Jérusalem, maintenant en train de faire tout ça. Et, et là, ils il confrontent Jésus. Et de fait, les chapitres, les prochains chapitres, ça va être le conflit entre ces chefs religieux et Jésus qui va dominer. Par quelle autorité fais-tu cela? De quelle autorité? Qui t'a donné cette autorité? Est-ce que tu parles au don de Dieu? Est-ce que c'est un démon et tu possédé pour faire ces choses-là? C'est un courant, un mouvement humain? Ou est-ce que tu fais ça de toi-même? Il faut savoir que les rabbins, peut-être un siècle plus tard, mais on peut penser que déjà c'était pas... Courant à l'époque de Jésus, les rabbins, quand ils enseignaient, avaient, avaient l'habitude de citer un rabbin précédent. Hein? Ils citaient leurs autorités. Alors Jésus, il ne cite pas d'autorité. Donc, quelles sont tes autorités? Au nom de qui tu enseignes comme ça? Jésus leur répliqua À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean. D'où venait-il Du ciel ou des hommes Donc voici le lien avec Jean le Baptiste. Et on sait que pour Jésus, Jean était, accomplissait les écritures comme lui-même accomplissait les écritures. Il voyait Jean le Baptiste et, et lui-même Jésus dans le même projet. Et nous l'avons vu dans les textes de, de la semaine dernière, comment ils il se voyaient liés, même au niveau de, du rejet, de, de leur persécution et de leur mort. Jésus, il voyait ça de la même façon que Jean-Baptiste euh, a été tué, de la même façon, le même sort matin. Donc, Jean-Baptiste, au nom de qui il baptisait Est-ce est qu'il agissait au nom du ciel ou des hommes et eux se firent en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi n'avez-vous pas cru à sa parole Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Jésus leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité, moi, je fais cela. Fin de la lecture. <laughs> C'est très intéressant comment Jésus ici, euh, il, il retourne la question vers eux. Et qu'est-ce qu'on qu qu apprend à propos de ces, ces grands prêtres et ces anciens du peuple? C'est que leur raisonnement est un raisonnement qui n'est pas basé sur un discernement comme dans... Saint Ignace dirait le, de discerner les esprits. Là, un principe de discernement Non, c'est complètement centré sur eux-mêmes. Si nous disons ça vient du ciel, ben là il va nous critiquer parce qu'on ne l'a pas écouté. Mais si on dit que euh, ça venait des hommes, ben là c'est le peuple qui va nous critiquer parce que les autres croient c'est un prophète. Donc ils finissent par dire ben on ne sait pas. C'est pas fort comme jugement. Hein? C'est pas fort comme critère de discernement. Ils se révèlent comme étant de très mauvais juges de la situation. Et Jésus leur répond, vous n'êtes pas capables de juger d'où venais Jean. Bon, vous ne pourrez pas discerner d'où je viens moi non plus. Jésus refuse de se soumettre à leur ju jugement. Ils se révèlent de mauvais juges. Cette question de l'autorité, de quelle autorité Jean-Baptiste a agi, de quelle autorité Jésus agit, agi, c'est ça le lien que nous allons trouver avec la, la première lecture qui est tirée aujourd'hui du livre des nombres. nous sommes au livre des nombres. Euh, c'est le, le livre des nombres. c'est le, le quatrième livre de la bible qui raconte euh, la pérégrination. Le, le, le cheminement d'Israël à partir de sa sortie de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, jusqu'au bord de son entrée en Israël. Donc tout ce temps-là, là, ils sont dans le désert, ils passent à travers divers royaumes, et là, ils sont arrivés, le dernier royaume qui leur barre l'entrée en Terre sainte, c'est Moab. Et le roi de Moab, ils ont demandé le droit de passage et le roi de Moab, voyant leur grand nombre, euh, il, il a peur. Il a peur d'eux, il a peur qu'ils vont envahir le pays. Et il refuse, mais il, il a peur de leur livrer la guerre, il a peur de se faire battre par eux. Alors, ce qu'il décide de faire, c'est de faire venir un, un genre de, de un devin. Un, on dirait, nous, presque un sorcier qui est capable de jeter des sorts. Hein. Il, il se dit, si quelqu'un de puissant qui peut lancer un sort contre ce peuple, alors si je me bats, je vais gagner. Alors, le, il cherche un, un, un païen, un sorcier. Bon, le, le texte dit un prophète païen du nom de Balaam, qui, qui venait d'ailleurs, là. De fait, l'histoire est. On pouvait lire tout, tout le récit. C'est un récit assez cocasse, nombre 22 à 24, parce qu'il envoie des délégations pour, pour acheter la faveur de Balaam. Je vais te payer pour que tu viennes maudire ce peuple, mais quand il consulte son Dieu, bon, les signes sont pas favorables, mais finalement, il se décide, il vient. Il y a toute une histoire avec son âne qui, qui parle. C'est des récits folkloriques qu'on pourrait dire qui se mêlent dans ce récit de, de finalement d'oracle, parce que ce qui va arriver, c'est que quand finalement Balaam va se trouver en vue d'Israël et puis que Balak s'attend à ce qu'il prononce cette malédiction, que fait Balaam À ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait rangé par tribus, L'Esprit de Dieu furent sur lui et il prononça ces paroles énigmatiques, des paroles mystérieuses, des paroles d'oracle. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Oh, mais Balak, le roi de Moab, n'est pas content. Hé, hey, viens ici, toi, je, je, je t'ai payé pour que tu lances des malédictions. Tu es en train de, de, de lancer des bénédictions, et non pas seulement une bénédiction, mais une prophétie que il, il va y avoir un, un roi, un héros qui va sortir de ce peuple. Non, c'est pas ça ce que j'ai. Recommence, viens, viens ailleurs, et l'histoire est drôle, c'est ça, il l'amène ailleurs, il offre des sacrifices, il dit recommence, donne-leur ce, ce, cette malédiction comme je te demande de le faire. Et Balaam recommence comme il l'a fait. Balaam prononça alors ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut, il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Évidemment, encore une fois, Balaak est, est, est vraiment, là, il est emporté contre Balaam. Et, et là, Balaam va se tourner, puis il va lui dire, écoute, voici ce que je vois, je te le dis, tu vas être conquis. Édom va être conquis, Seir va être conquis, vous allez être conquis par, par ce, ce peuple. Alors, il prédit la chute de Moab. Euh, alors, c'est intéressant et, et c'est intéressant de, de savoir quand on lit ça, hein, quand on, un astre se lève, un sceptre se dresse issu d'Israël. C'est clair que Balaam est en train de parler à ce moment ci là de d'un d'un roi qui va s'élever dans le peuple d'Israël, qui va assurer la paix à Israël. C'est peut-être que c'est Josué qui va succéder à à Moïse, mais Josué ne sera pas un roi, mais David, quelques siècles plus tard, David sera roi, le grand roi David, et de fait, David va étendre le règne sur les peuples environnants. Mais plus tard, ces textes sont devenus comme des textes liés au Messie tant attendu, de sorte que on entend l'écho de ça dans l'histoire des rois-mages qui viennent euh, adorer à la crèche. Matthieu, il fait toutes sortes de liens entre ces rois-mages et l'histoire de Balaam, cet astre qui les guide, l'astre qui se lève. Et on voit le, ce lien entre Balak, qui a peur d'Israël et qui veut servir de, de Balaam pour maudire. mais On voit un peu un parallèle avec Hérode, qui a peur de ce Messie et qui veut servir des rois-mages pour essayer de... de de savoir qui il est, pour être capable de, de le tuer tout de suite. Mais Balaam, Balaam va reconnaître, au contraire, il déjoue le plan du roi et, et il bénit Israël. Les rois mages, la même chose, ils vont déjouer les plans d'Hérode, ils vont offrir des présents d'or, d'encens et de myrrhe, la reconnaissance de ce Messie. Ils vont repartir chez eux par, par un autre chemin. Alors, les échos entre l'histoire de Balaam et l'histoire des mages sont nombreux, ces échos-là. Mais aujourd'hui, pourquoi la liturgie nous propose ce texte-ci C'est surtout à cause du lien avec la question de l'autorité. Vous voyez, dans l'Évangile, de quelle autorité fais-tu cela De quelle autorité Et ici, on voit euh, Balaam, Balaam qui a été embauché pour maudire. Israël ne réussit pas à maudire Israël. Il le bénit à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu qui l'oblige à dire les paroles de Dieu. Et par deux fois, on a entendu Balaam dire oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut, qui voit ce que le puissant lui fait voir. N'est-ce pas Jésus, ça n'est-ce pas Jésus l'homme au regard pénétrant Jésus celui qui entend les paroles de Dieu Jésus qui possède la science du Très-Haut, qui voit ce que le puissant lui fait voir Jésus est le Fils de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut parler avec l'autorité du Père, c'est bien le Fils. Alors ce texte de l'Ancien Testament nous invite à prendre conscience de l'autorité avec laquelle Jésus intervient dans notre monde, au nom de qui il agit, avec la puissance de qui il pose ses gestes. Peut-être que les, les chefs religieux de l'époque euh, de Jésus ne savaient pas le reconnaître, mais nous sommes invités à le reconnaître et à nous rappeler l'identité profonde de celui dont nous fêtons la naissance à Noël. Le petit enfant dans la crèche, il est le fils du Dieu éternel. Il est celui qui va inaugurer le royaume de Dieu sur la terre par son enseignement, par sa mort sur la croix, mais surtout par sa résurrection d'entre les morts, et qui le mènera à son achèvement dans son retour, lors de son retour dans la gloire. Voilà l'identité profonde et voilà l'autorité avec laquelle Jésus enseigne. Avec cette pensée, je vous laisse jusqu'à jusqu demain. Que le Seigneur vous bénisse.